vous indiquer comment procéder. J'espère simplement qu'il n'est pas trop tard. Le temps allège tous les fardeaux. Occupez-vous des régisseurs. Vous suivez-moi. Nous allons mettre fin à ces souffrances. Merci. Merci. Ok, ça sent le combat, du coup. Est-ce que je vois un autre joueur se battre contre quelque chose? Ce sera quand vous voudrez. Ben, let's go, hein. Quel est votre tracas? Vous allez vivre des moments très inhabituels, mortels. Ne vous laissez pas impressionner, les esprits saints comme le vôtre nous seront... Notre temple peut vous apporter la sérénité si vous l'acceptez. Nous serons utiles en ces temps difficiles. Pourquoi Pélagos se fait histoire comme ça? Observez. Allez, ok, j'ai compris. J'ai compris. Allez. Puisque le jeu refuse de me laisser une putain de fenêtre ouverte, eh ben j'ai utilisé mes propres moyens, il n'y a pas de problème. Notre temple peut vous apporter la sérénité si vous l'acceptez. Oh mais merde, mais casse les couilles! Je suis tout. Allez, hop! Impression écran, paint, allez, voilà, hop. Alors, il est plus fragile que d'autres face à la purification. Je ne voudrais pas qu'il s'égare en chemin. Ce que nous nous apprêtons à faire peut paraître éminemment déplaisant. J'ai toutefois la nette impression que vous avez l'estomac suffisamment bien accroché pour supporter un tel spectacle. Ça pue la merde! Elle va le buter. Comme dans toutes les sectes, le doute n'est pas permis. N'est-ce pas? Confiez-moi vos fardeaux. Vous connaissez le rituel. Ouvrez votre esprit à la mélodie des bourdons. Qu'elle vous purifie. Oui, mais... D'où vient cette douleur? Je n'ai pas de cible. Gardez votre calme. Ayez confiance en le rituel. Ce procédé réduit nos aspirants en poussière. Comment pourrais-je avoir confiance? Il me fait une cible. Une seule voie s'ouvre à vous, disciple. Et pour l'atteindre, vous devez dépasser cette souffrance. Comment pouvez-vous supporter de les voir souffrir ainsi, sans éprouver la moindre émotion? Il me plaît, ce perso. Notre foi nous unit. C'est la voie que nous avons choisie. Nous allons tous succomber, jusqu'au dernier. Voilà où mène cette voie.
Je ne peux pas les sauver. Je ne peux même pas me sauver. Moi-même. Nicolò. Si vous n'avez rien de mieux à proposer, je me débrouillerai autrement. Je ne peux plus vous aider. Peut-être que le temple de la loyauté pourra. Il est déjà trop tard. Ils arrivent. Et je serai à leur côté. Ouais. Comme je vous dis, hein, pour moi, ce truc-là, les Kyrians, là, c'est une énorme secte, en fait. C'est un monde sectaire, en fait. Et où le doute n'est pas permis, où t'es obligé de suivre leur voie, donc en fait leur religion. Sinon, t'es exclu. Et c'est typique de secte, en fait. C'est carrément sectaire comme truc. Donc c'est pour ça que moi, ça ne me plaît pas du tout, leur histoire, en fait. C'est pour ça que ce monde-là dans lequel on est, le Bastion, ne me plaît pas du tout. Ça représente beaucoup de choses que je n'aime pas du tout. Quel est votre tracas ? Confiez-moi vos fardeaux. Alors. Oh zut, il a pas pris ma capture d'écran. Le temps allège tous les fardeaux. Quel est votre tracas ? Je ne comprends pas, il n'est pas seul. Les yeux d'Erida s'écarquillent. Non, c'est impossible. Non ! Tu crois que ce qu'on a dit à l'Arconte, comme quoi il y avait des déchus en bas, là, en enfer, là, c'était des conneries ? Je suis tout oui. Rien, je... Eridia, les protections ! Ils vont... Oh oui. Désavoué, le temple est à nous. Notre temple peut vous apporter la sérénité si vous l'acceptez. Tous ces pauvres aspirants, tous les transcendants que nous avons envoyés au temple de la loyauté, les avons-nous condamnés ? Ils ont dû... Le temps non, non, pas ça, pas... Quel est votre tracas ? Les horizons du perdre la raison pour attaquer ce temple. Nous ne sommes pas leur ennemi, nous voulons juste. Eridia se mure dans le silence en observant le temple tandis qu'une larme coule sur sa joue. Notre temple peut vous apporter la sérénité si vous l'acceptez. Alors. Allez et servez.
Le temps voilà. Allège tous les fardeaux. Au moins, je suis sûr que ça se fermera pas. Alors, Nicolon n'était pas seul. Hop. Erida scrute l'enceinte du temple d'un air sombre. J'ai longtemps pris soin des aspirants dont j'avais la charge. J'ai longtemps veillé sur ce temple placé sous l'égide de mon paragon. Savoir qu'ils sont si nombreux à être tombés seuls est un vrai crève-cœur, mais cette destruction aveugle ne saurait être tolérée. Vous serez le bras de mon courroux, MDG le Normand, allez tuez-les tous. Mon devoir m'impose de m'occuper de ceux qui restent. Je vous retrouverai près du pont quand la voie sera libre. Purifier, tuez-les. Ah, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ah. Les cloches écoutées, leur timbre a été faussé. Nous allons tous sombrer si ce glas sinistre continue de résonner ainsi. Aria vous remet son marteau. Trouvez les grands bourdons du temple et frappez-les avec mon marteau. Puisse la pureté totale leur rendre leur véritable voix. Je vous retrouverai près du pont dès que leur appel aura retenti. Hâtez-vous. En vrai, moi, j'aurais envie de tout laisser s'effondrer. Mais bon. Hein ? Attendez, pourquoi ma graine de corruption, elle est pas... J'ai pas compris pourquoi mes sorts étaient partis de travers. Ah, du loot. Bon, c'est de la merde. Je dois m'approcher. Ah, quand même. J'ai fait un peu trop gros. C'est bon. D'abord, choisir une cible.
On en butera en chemin. Je vais... Hop. Je vais me diriger surtout vers les cibles. Ah, j'ai vu un truc. Attendez, j'ai vu un truc. Là. Je peux vous aider à méditer ? MDJ, normalement, je suis heureux de vous voir indemne. Nombre des transcendants qui servaient ici nous ont trahis, abjurés. Ainsi, tout ce qui est fait et tout ce qui fait de nous des Kyrians est inimaginable. L'acolyte vous remet une lourde lance. Cet outil a rarement été utilisé jusqu'ici. La seule finalité est d'inspirer un moment de réflexion chez ceux qui sur ce qu'ils touchent, il devrait les aider à ouvrir les yeux. Ceux qui refusent de se repentir ne pourront être sauvés, ils devront mourir. Tuer trois transcendants désavoués. Okay. Je vais réfléchir à notre conversation. Vache, ils sont violents quand même, hein. Ah, mais putain, j'ai pas vu. Les prends l'aggro, merci. Merde. Mais comment ça, deux transcendants désavoués, j'en ai buté qu'un. Bon, ok. J'ai réussi aussi à purifier le temple. Il me reste un transcendant à tuer. Bah, ok, c'est une quête secondaire en fait, le fait de tuer des transcendants. C'est pas obligatoire, mais ça... Que j'ai encore des transcendants dans le coin. Hop, suis-moi.
Faut que j'aille où les deux bourdons. Au nord. Je peux passer par là. On va essayer de passer en force. Ok. Merde. C'est bon. Comme j'ai dit, on passe en force. C'est quoi ça? Les runes du parchemin changent constamment sous vos yeux. La première vue, il semble illisible. Les parchemins similaires sont apparus dans tout le temple de pureté. Erita voudra sans doute y jeter un coup d'œil. Ramasser 6 serments sombres. On va voir ce qu'on peut faire. C'est bon. C'est quoi ce truc? Ok, c'était juste un debuff. Moi non plus, je n'aime pas cet endroit. Occupe-toi d'elle. Et bon. Vos souvenirs, vos attaches.
Nous sommes ici pour vous libérer, pour vous ouvrir un autre chemin. Évidemment. Oh la vache. Je suis mort. Là, il n'y a même pas la peine. Là, je n'ai même pas espéré, je suis mort. Sauf si... Non, personne veut m'aider là. J'arrive à contrer. Ça aurait été raide. Bon. Je vais récupérer les morceaux qui manquent. Il manque deux serments. Ok, d'accord. Bon. Je voudrais vraiment se récupérer les deux là-bas. C'est bon. Putain, il a... Venez et vous serez accueillis, mais ceux qui résistent seront balayés. Il me faut une cible. Il me manque un fanion là, je sais pas où il est. Là-bas. Je suis hors de portée. Un nouvel ordre voit le jour. À chacun de prendre position. Il m'en manque encore un. Toute logique, il devrait être par là. C'est le seul endroit où j'ai pas vu. Non, mais c'est bon. Non, je sais pas pourquoi il m'a affiché 5 sur. Mais en fait, je les ai tous. Ouais, non, c'est ça. Ok.
Bon. Alors déjà toi, je te rends ta quête. Dites-moi ce qui ne va pas. Par la grâce de Vésivre. Oula. Confiez-moi vos fardeaux. D'accord, il va se passer des choses là. On va commencer par ça. Notre temple peut vous apporter la sérénité si vous l'acceptez. Le temps allège tous les fardeaux. Alors, l'idée même que Lysonia puisse les mener m'emplit d'effroi si cela se confirme. Non, il importe avant tout de restaurer les grands bourdons tant que leurs puissantes voix seront corrompues. Ceux qui les entendront subiront les mêmes tourments que ce temple. Le bastion tout entier est au bord du précipice et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne basculent. Ils tenteront certainement de nous arrêter, mais je détournerai l'attention de leur chef aussi longtemps que possible. Si je ne m'en sors pas, mon disciple vous escortera hors d'ici. Allez et servez. Affrontez l'Isora et purifiez les grands bourdons. Écartez-vous. Votre maîtresse et moi avons à parler. Vous pouvez passer sans crainte. Pour le moment. Cléa, menez les autres en sécurité. Allez! J'évite les disciples désavoués, hein, parce qu'ils sont agressifs, visiblement. Je te reconnaîtrai entre mille, chère main de loyauté. Nous avons pris ton temple, et ton parangon périra bientôt. Rejoins-moi, et nous volerons à nouveau côte à côte. Jamais. Qu'il en soit donc ainsi, les désavoués triompheront. Avec moi. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Je suis prêt. J'ai une idée. Ce qui vous attendez. Retour vers le vide. Nous sommes submergés. Les voix corrompues des bourdons les renforcent. Je ne peux pas tous les affronter, mais peut-être que je peux restaurer les bourdons pendant qu'ils sont occupés. Et j'ai pas de sort, hein. Je n'ai aucune envie de te tuer, ma sœur. Mais je le ferai s'il le faut. Pourquoi fais-tu cela? Tu le sais très bien. Il faut voir la vérité en face. Voilà tout. Je vais tenir les désavoués en respect. Utilisez mon marteau pour purifier les cloches, qu'elles retrouvent leur véritable voix. D'accord, ok. Quelle vérité pourrait justifier un tel massacre ? Nous avons tous souffert 1000 morts aux mains de ton temple, Iridia. Le processus de purification est long et douloureux, mais nous en sortons tous grandis, même toi. Il nous reste
reste qu'une. Ne vous déconcentrez pas. Mais je ne me rappelle rien de ma vie d'antan. Même pas de ma famille. Il est nécessaire d'oublier pour mener les âmes sans les juger. Tu le sais bien. La voie est un échec, mais tu la suis aveuglément. Je vais te forcer à ouvrir les yeux. Vous pouvez encore vous racheter, Lisonia. Mettez fin à tout ça. Nous ne sommes pas défaits. Attendez. Vous pouvez bien essayer de la sauver. Elle a vu la vérité. Quel est votre but? Quelque chose vous perturbe? Vite, il n'y a pas une minute à perdre. Lisonia a tant affaibli Erida que je crains qu'elle ne tienne plus très longtemps. Notre parangon a beau faire de son mieux. Nous devons à tout prix lui prêter main forte. Nous allons défier Lisonia pour permettre à Erida de gagner du temps. Cette soi-disant main du doute nous donnera du fil à retordre. Préparez-vous, MDG Normand, terrassé, il sera. Et ça, c'est de la merde. Nous servons éternellement. Ah. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Confiez-moi donc ce qui vous pèse. Le parangon doit mourir ! Je ne vous laisserai pas intervenir ! Notre royaume n'est plus que ruine ! Les désavoués vont nous libérer! L'antre vous emporte! Bon, finissons-en une fois pour toutes. Cette puissance, c'est impossible. Tester la puissance d'un parangon était bien naïf. Votre vérité ne m'échappera pas. Votre heure viendra. Tout ça n'était que le commencement. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un écho de ses souvenirs les plus profondément enfouis. Il va faire la lumière sur sa duplicité. Qu'est-ce qui vous tracasse? Allez, et oubliez vos tracas. Vous la sentez, MDG Lenormand, cette main glacée qui vous serre la glotte? Cette préhension qui vous noue l'estomac, c'est l'influence de l'antre qui s'exerce sur vous aussi, sûrement que la volonté de l'archonte. J'imagine comment Lisonia en est venue à posséder un tel pouvoir. Mais il nous faut agir sans tarder, j'informerai l'archonte de ce qui s'est passé ici. Quant à vous, vous vous substituerez à ma main. Je vous expliquerai ce que j'attends de vous pendant le vol. Venez me parler quand vous serez prêt à quitter le temple. Alors, pendant le vol, il y a un double sens, hein, un vol dans World of Warcraft. Hein. Vous volez avec V1 jusqu'au reflet de la pureté. Non, donc c'est un fly, c'est un vrai fly. Ouvrez-vous à moi et je vous aiderai. Parce que
Parce que le vol aussi, pour les dragons, ça signifie autre chose. Le vol des dragons, ça signifie autre chose. Putain, ce bug. Au revoir. Je suis tout ouïe. Et vous, ma main, restez ici le temps de votre convalescence. Je reviendrai. Oui, Parangon. L'essence de l'Isonia a été corrompue par l'antre. Nous devons découvrir comment une telle chose a pu se produire. Je pars. Apportez ce fragment à l'enclave mnémonique, où nous recueillons les souvenirs des Kyriens. Si la chance nous sourit, les souvenirs de l'Isonia nous mèneront aux réponses que nous cherchons. Je vais informer l'Archonte de ce qui s'est passé ici, et venger la perte de tous nos amis. L'Archonte soit loué. Vous êtes indemne. Mais oui, tout va bien. Je dois gagner le fort élyséen. Clea, accompagnez cette âme jusqu'à l'enclave. Mes disciples ont encore du travail ici. Et je dois prévenir l'Archonte. À vous de servir, et sans délai. À vos ordres. Excusez-moi, juste j'ai reçu un message, je réponds rapidement. Allez. Alors. Vous incarnez les vents du changement. En quoi puis-je vous servir ? Une terre de la pureté. Ok. Alors, jamais le bastion n'avait connu d'attaque contre le temple de la pureté, du moins à ma connaissance. Nous devons éclaircir cette situation. Le fragment capturé par le parangon recèle peut-être les réponses que nous cherchons. Non loin d'ici se trouve un endroit appelé l'enclave mnénomnique, où les aspirants et les transcendés peuvent reléguer et revoir leurs souvenirs. Si nous parvenons à consulter ceux de ce fragment, nous en apprendrons peut-être davantage sur les soi-disant dévoués et espérons-le sur leurs intentions. Je vous retrouverai sur place. Allez et servez. J'aurai des avoués risquent d'attaquer à nouveau. Nous devons avertir le repos du héros. Je me chargerai de cette tâche pendant que vous finissez votre mission. Prends bien soin de toi, Clea. Toujours. L'accès à l'enclave est actuellement interdit. C'est moi qui t'ai fait! Je suis le premier Forgelite! Oh non, il est peut-être déjà trop tard. Je suis un régisseur très occupé. Vous parlez au premier Forgelite, le maître d'œuvre du bastion.
Instruction non incluse. Alors attendez, pourquoi? Décidément, je suis sollicité, hein, et pourtant on est dimanche. Foutez-moi la paix, je n'existe pas les dimanches. Regardez-moi cet endroit, quelle pagaille, l'enclave est à l'arrêt et les désavoués règnent en maître. Nous devons réactiver l'enclave, mais j'ignore comment cet endroit a été bâti. Il y a des lustres, et pas par moi, hélas. Heureusement, la première forgelite qui m'a précédé était notoirement prolixe. Elle notait tout. Et si nous parvenons à mettre la main sur les plans, je devrais pouvoir me débrouiller, même sans l'aide de ma mnénesse. Il y a des tas de parchemins éparpillés un peu partout. Retrouvez-moi près de l'enclave lorsque vous aurez trouvé le bon. Trouvez le manuel de l'enclave parmi les parchemins abandonnés dans l'enclave numérique. La directive de Forgelite. Tous les centurions sont au service des Kyrians. Je vois les voir œuvrer contre moi. Le premier forgelite est une insulte aux autres centurions du bastion. Regardez-les, les magistrats et les Goliaths violés. Je vous donne donc ma permission pour, plutôt non, l'ordre express d'extraire leur noyau. Je leur trouverai une autre utilité. Leur anima servira à alimenter l'enclave. Soyez sans pitié, je pourrai en construire d'autres. 12 noyaux de centurion. Je suis très exigeant, oui. Mais je ne tiens pas à en parler. Ok, Jim. J'ai besoin d'aide. Terminé. Ça sera vite terminé. Trop de dégâts. Ne faites pas un pas de devoir recycler. Reste. Belle exécution. Trop de dégâts. J'ai besoin d'aide. Laissez-nous tranquille. Que faites-vous là? Que les désavoués me protègent. Ça sera vite terminé. Veuillez quitter l'enclave immédiatement ou nous serons contraints de vous expulser. Vous me forcez la main. Ok,
recycler, mais reste. Accompli. Il me faut une cible. Ok. Pour le moment. Vous me forcez la main. Je suis en état fatigué, je gagne moins d'expérience. C'est un petit peu agaçant. J'avais pas déjà récupéré ce parchemin. Mais j'avais déjà récupéré ces parchemins, donc c'est pas cela. Il y a celui-là là-bas. Que faites-vous là? Ça sera vite terminé. Ça sera vite terminé. Ouais, voilà. Voilà, merci. Il vous a vivement conseillé de remettre ces documents à leur place. Ok, super. Passe en force. C'est bon. Avez-vous des idées pour renforcer les centurions? Laissez-moi travailler. Excellent. Ouais. Apportez-moi de nouvelles idées. Alors. Bien, très bien, l'enclave et les miroirs des âmes sont liés
Si nous restaurons leur animal, l'enclave devrait pouvoir jouer à nouveau son rôle. Fort heureusement, les noyaux que vous avez apportés devraient suffire. Il suffit d'activer les conduits d'anima. Et ben, qu'est-ce que vous attendez? Vous savez comment les utiliser, non? Parlez, les intermédiaires sont activés. Alimentez-les avec l'anima que je vous ai donné. Mécanicos, l'enclave peut-elle extraire des souvenirs de ceci? De quoi s'agit-il? Un fragment d'essence de l'une des désavouées. Il pourrait nous révéler le secret de leurs origines. Intéressant.